salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales. Évidemment, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, profitez de la 4K 60 FPS qui vous est offerte. Et on est parti pour la suite de notre aventure. Et vous allez encore, je l'espère, en prendre plein les mirettes, à savoir que le ray tracing est activé. Je dis RTX par raccourci parce que RTX est la technologie ray tracing de Nvidia et le ray tracing est la technologie ray tracing en général. Sachant que ce n'est pas Nvidia mais AMD qui s'occupe des ray tracing sur les consoles next gen, je mets RTX par raccourci parce que c'est que 3 lettres. Ne chipotez pas pour rien, s'il vous plaît, je devais aider mon oncle. Donc on est parti, on va aller l'aider et on passe évidemment à la suite de notre aventure par la même occasion. Il y a beaucoup trop de câbles sur celui-là. Ça doit interférer avec le signal. Comme d'habitude, R3 pour scanner les câbles. Ok. Ben, on va voir tout de suite où ils vont ces câbles. C'est pas un problème. Ça, c'est ça, je reconnais. Ça, c'est la courroie encore. Hein. Courroie qui fait défaut. Hein, ça va dans le moteur. Ok. D'accord. J'ai juste à trouver le compteur GGR et normalement, ça devrait le faire. Peut-être passer par ici, raccourci. Ah oui, il faut que je... On en est là. Let's go. Ah! Lorsque les ennemis ont des soupçons, le symbole point d'exclamation apparaît et ils commencent à fouiller la zone. Le symbole point d'exclamation, pardon, signifie que vous avez été repéré. C'était point d'interrogation pour le soupçon, évidemment. Donc c'est parti, tabassage de gueule, montage en l'air, éclatage au sol. On se concentre, une patate dans sa gueule. Bon, là, les gars... Il n'a évidemment, malheureusement, rien pu faire. Hop, ça! Je déteste. Je déteste un compteur GGR de basse qualité. C'est du matos de dingue. Ça me plaît pas, mais... Les capteurs remarchent. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis occupé des types qui jouaient avec. Et on dirait qu'ils ont oublié quelques-uns de leurs gadgets. Je vais devoir vous rappeler. Waouh! Je peux m'en servir pour fabriquer les holodrones que Pete a conçus. Les caches de l'Underground contiennent des pièces high-tech afin de fabriquer des tenues, des modes de tenues, des modes de lentilles et amélioration de gadgets. On va donc ouvrir ce menu. Et qu'est-ce qu'on a? Tiens. Maintenez croix sur le gadget holodrone pour le fabriquer. Très bien, mais il est où? Il est là, c'est ça? Débloquer de nouveaux gadgets et des améliorations de gadgets grâce aux jetons d'activité et aux pièces high-tech. Ça va nous forcer un petit peu à faire des quêtes secondaires, vous l'aurez, je pense. J'ai jamais vu ce genre de fréquence radio. Je peux peut-être la pister. Il y en a pas mal d'autres du même genre ailleurs en ville. Ah oui. Oui, je confirme. Il y en a pas mal. Très bien. Eh bien, repère personnalisé, on va mettre ça. On va y aller calmement. C'était sûr. Maintenez R1 pour le menu des gadgets. L'holodrome est là. Et appuyez sur R1. On y va. Hop, là les gars, ça c'est cadeau. Oh là là, ça c'est beau! Ça, quand je suis allé le chercher, les gars! Oh merde, ça c'est du gâchis, ça! Hop, let's go! Hop, toi, c'est terminé pour toi, fin de carrière! Hop. On le remet, hop, on se cache! Oh là là, c'était chaud! Dommage que le décor, ça ne soit pas passé en travers! Je peux même dire que. C'est resté en travers de ma gorge. Excellent, ça. C'est l'humour. C'est l'humour de Spider-Man. Mon Spider-humour. Hop. Un petit coup de pied retourné. Ça, c'est beau. C'est ce qu'on apprécie. Wow. Elle met des patates. Elle met de véritables patates. Hop, les gars. Ça, c'est pour nous. Retour à l'envoyeur. Hop. Petite glissade d'esquive. On apprécie. Hop. Montage en l'air. Décrochage de mâchoire. Hop. On y retourne. Bam. Reste par terre, je t'ai dit. Hop. Remontage en l'air. Toi. Récupère ton fusil.
Eh, tu sais quoi, je viens de chercher. Je viens de chercher et attends, mon frérot. Un petit tonneau. Hop. Un petit pied-bouche. Patate mâchoire, un classique dans le Connecticut. J'espère que les trains sont partis. Et ben voilà. Eh. Je devrais demander à Oncle Aaron. Quoi? Ouais, monsieur Davis. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Le signal est revenu, mais toujours pas de train sur les voies. Il a dû se passer quelque chose au dépôt. C'est l'Underground qui avait touché à vos capteurs. D'ailleurs, vous savez si Roxxon utilise le métro pour transporter du uniforme? Roxxon? Le métro a été conçu pour transporter des gens, pas des marchandises. Mais il y a eu des changements sur cette ligne quand Roxxon Plaza a été ajouté. Alors, il pourrait l'utiliser de façon clandestine? Je vais y regarder de plus près. Vous me parliez d'un frère. Est-ce que vous avez de la famille? Je les ai pas vus depuis longtemps. J'ai dû faire des changements, comme prendre ce boulot. Mais il me manque. Surtout mon neveu. On faisait du son ensemble. Vous pourriez peut-être le revoir maintenant. Les revoir, votre famille. J'espère, petit. Bon, je vous laisse. Je dois combattre l'Underground. A plus. Ok, normalement, il y a un Underground pas très très loin. J'aimerais bien le trouver, ça serait plutôt sympa. Et quelque chose me dit qu'il est hop, derrière ça, peut-être non. Signal très fort. Oh, let's go. D'accord, c'est des caisses comme ça cachées en fait. Ok, ça me plaît. Et donc là, ça me donnait quoi? Un seul jeton, 2, 3, 4, 12, qu'est-ce qui se passe? Un seul jeton de pièces high-tech. C'est giga stylé ça. Ça, ça va me faire plaisir. Alors, essayez de trouver toutes les caisses. Ça, c'est le genre de quête que vraiment j'aime bien. Regardez le monde qu'il y a en ville. Regardez les véhicules. Ça, ça fait vraiment bader. L'épisode 2, vous avez vu pas mal de fois le ray tracing. Surtout dans le bâtiment high-tech qui reflétait l'intégralité, évidemment, de la pièce. Donc là, on est plutôt... On en prend plein la gueule sur le nombre de véhicules, de personnes dans les rues. C'est assez impressionnant. En tout cas, ça laisse rêveur. C'est toujours plus impressionnant, clairement, que la PS4. Donc, ouais, toujours aussi captivé, toujours hâte d'avancer. Alors, par contre, pour être honnête avec vous, je préférais le coucher ou le lever du soleil. Parce que, forcément, ça donne un côté très un peu orangé hein, à la scène et tout. Et je trouve ça quand même relativement magnifique avec la neige et tutti quanti. Et surtout les reflets d'un soleil très 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 fort qui commence à se lever. Bon les gars, on va arrêter de faire des descriptions dignes des plus grands films de romance. Vous avez compris où je voulais en venir. Ça cache tout. Je peux peut-être les arrêter discrètement. Allez, vas-y. Une sorte de les séparer. Ah putain oui, c'est vrai, il y avait des faces comme ça. Ouais, ça prend du temps. C'était quoi ce bruit? J'avais oublié. Hop. Oh oh oh. Tellement stylé. Alors, très bien. Oh, cet éclatage de gueule qui me fait plaisir. D'accord, là ils t'apprennent la phase d'infiltration. On va essayer les lentilles de Peter. Ah, j'avais oublié, c'est tellement stylé. Ok, lui maintenant, c'est je fait. Peux les suivre. Lance des toiles sur le sol ou des objets pour attirer les ennemis. D'accord. Viens back, si t'es un homme. C'est pire. Et ben voilà, j'ai tout gâché, ça fait plaisir. Hop, allez, on y va. Hop. Ça dégage. Wouh! Tenez les gars, un tonneau. Ah là là, je suis un petit peu déçu, je suis désolé. Hop. Ok, ça c'était très très beau. Wouh! Hop, ça c'est terminé. Liquidation, on n'est-ce pas? Hop. Hop, hop, hop. Et toi, tu restes à terre. Ok. Toi, tu récupères ce tonneau. Et toi, bon, c'est direct une belle patate. Voilà, ça fait plaisir à la famille. Toi, tu récupères la grenade de ton pote. Et les gars, oh là là, j'ai mis une patate dans le truc en béton, frérot. Attention comment c'est parti en couille. Hein.
ça, c'est terminé. Bon là on s'est pas fait toucher, on est juste monstrueux. Hop, et ensuite toi, ton arme, tu la récupères. Voilà. Ensuite je t'éclate forcément la gueule, hein. Ça c'est un classico. Hop, boum. Et toi? Oh lolo, désolé, hein, désolé, c'est un massacre, hein, littéralement. Ce qu'on a là, on n'a pas fait correctement la phase d'infiltration, mais on se rattrapera à l'avenir, c'est pas un problème. Bah attendez, déjà. Je les ai tous eus. Je dois mettre le sur les voies maintenant. Les commandes doivent être dans le bureau. Ok. Eh ben allons au bureau. Tinkerer, c'est leur chef d'après Onclaron. Il ressemble un peu au Prowler. Vous savez, la personne que son père a capturée. Il y a moyen, il y a moyen. C'est le rôdeur en français. Oh non, ils ont détruit les commandes. Oh, en plus, c'est des bels écrans qu'on a là, les gars. Écran 4K, ça, c'est pour jouer à la PS5, je reconnais. Sur les voies, à la main. Ou à la toile. Il y a une plaque tournante. Ok. Tourner la plaque et tirer les wagons avec des toiles. Ça devrait marcher. Excusez-moi, j'ai déraillé, je sais pas ce qui m'a pris. Trouver un moyen d'aligner 3 wagons devant le tunnel. D'accord. Je vois. Aligner comme ça. Oh, ça m'a éclaté. Ça marche. Ok. Je suis presque. D'aligner les 3 wagons. Je dois me mettre en face. D'accord. Ah, d'accord, ok, très bien, j'ai compris. Je dois carrément bouger le bordel là. Ça va swinguer ça, attendez. Je suis un homme mort, non? Ça n'allait simple pour l'enfer. Tirer manuellement. J'ai compris mon mot, hein. On taffe le sujet, hein. Wouh! Nickel. Ok. Les autres maintenant. Ah! À combien comme ça, les gars? On cherche des cargaisons de Nuforme et après ils coupent le métro. On va peut-être empêcher Nuforme d'atteindre la ville. Ok. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Yes! Allez, encore un. Ok. Et maintenant on tire. Ah! Il y a des nouvelles mécas. Wouah! Attention, doucement. Je dois bouger un wagon. Comme le premier. J'ai voté la place, c'est terrible. Aïe, je me suis fait arracher la gueule. Ok. Le perpendiculaire au rail sera parfait. Ah! Aïe! Oh putain, c'est pas grave, on survit. On survit, c'est rien, c'est la rue. Faire pivoter la plaque, c'est fait. Comme ça maintenant? Ok. Si on m'avait dit que j'étais à la RATP. Très bien. Suivant. Je suppose que c'est ça, non? Aïe! Mais putain, mais c'est pas vrai, j'ai pas réussi une seule fois! Terrible! Maintenant on tire. Allez, l'étoile. Ok. Voilà. Bon! Attendez, je vais essayer. Le but, c'est que je m'en sorte sans me faire arracher. Hop. Voilà, mon pote. Ça y est. Les wagons sont sur la voie. Et ben voilà. Non, il leur faut du courant. Oh, mais c'est pas vrai. Eh, hey, les gars, je suis Spider-Man, hein. Je suis pas Metro Simulator 2007. Là aussi, ils ont saboté les commandes. Ah bah oui, bah sans déconner. Pas de générateur. Ok. Ok, je peux m'en servir pour alimenter les trains. Enfin, j'espère. Mes toiles sont conductrices. Très bien. Ah, la visée manuelle. Ah oui, d'accord, je... Ok, on prend des raccourcis, très bien. Allez, salut mon pote. Eh ben voilà, une bonne chose de faite. Vous voyez un changement de votre côté? Les panneaux viennent de s'allumer comme si c'était Noël. Bien joué, petit. Content de vous avoir aidé. S'il y a un souci, postez une demande dans l'appli. Attends, j'ai un truc pour toi. C'est pas grand-chose, mais... C'est... pour moi? C'est la moindre des choses, vu que tu viens de m'éviter de perdre mon boulot. Cool, cool.
Bon ben, je m'en vais. Salut Miles, je viens d'arriver en Europe. Yo Pete, ça va ou quoi mon gros? Spider-Man en solo. Plutôt bien. Pete le vrai frère. J'ai découvert une conspiration dans mon quartier. Classique. T'as un plan? J'improvise un peu comme ça vient. Ah, tu parles comme un vrai Spider-Man. Bon, si t'as besoin de moi, je serai à l'autre bout du fil et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ça y est. Ça marche. Oh, et merci pour le cadeau. C'est mortel. Tu l'as mérité. Oh, j'aime cette fessée. Tu dois y aller. Bye. Oh, 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 j'ai failli me faire arracher le monde, là. Miles, la non, mais tout le monde m'appelle. Tu me sors. T'as trop, je demande. Comme Oh, celle-là vient de Théo. Il est trop cool, ce gars. Wow, faut vraiment que je regarde. Maintenant que toute la vie compte sur moi... On est l'appli la plus populaire du moment à New York. Jette un œil quand t'auras fini avec ton oncle. Il sait toujours pas qui t'es vraiment. J'ai failli me prier une ou deux fois. Mais j'ai plus bon. Je regarderai l'appli dès que j'aurai terminé ici. A plus. Eh, hey, ça rapporte de l'XP, mine de rien. Wouh! Oh, j'ai coupé la... J'ai fait une coupe de cheveux à certains citoyens. Ok. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas. Est-ce qu'à côté de l'objectif... Bien sûr qu'on a un petit truc très sympa. On va le prendre, évidemment. Eh, c'est pas à côté. On va déjà à l'autre bout de la ville. On traverse déjà à peu près toute la ville. C'est bon, ça. C'est bon et c'est très excitant, n'est-ce pas? Faudra que je rappelle Finn quand j'aurai aidé Aaron. Ah oui. Oui, 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 oui. Oh, salut, monsieur Davis. Je suis bientôt là. Dépêche-toi, Spider-Man. L'Underground est là. Ils mettent des bombes sur les toits. Des bombes? Sérieux? Ils ont pas dû aimer tes réparations. Je vais faire au plus vite. Accrochez-vous et surtout ne sortez pas. Ok, on est parti. Mater les détails au loin, je suis un peu subjugué toujours par le jeu. Hein. Vraiment, je trouve ça très très beau. Sony a tellement une maîtrise pour ses jeux, les jeux de son propre studio. C'est hallucinant, ça présage tellement du bon pour God of War, pour Horizon 2. Ça risque d'être insane, vraiment, pour le coup. On va essayer de chercher l'Underground. Il n'est pas très loin. Hop, hop, pas de soucis. Alors, où est... C'est pas, là-bas par hasard. Attendez. Attention, on prend la pause. Bougez pas, bougez pas. Pas ça par hasard. Faites gaffe, partout le temps pour en dire ici. Harlem tombe en ruine. Vieux bâtiment. Ça dégage. Hein. Ok. Bon, attendez, il y a une bagarre. Il y a une bagarre quand même. On va essayer d'aider la police. Alors, une plaque d'égout pour la table numéro 2, une caisse pour la table numéro 3, une patate dans la gueule pour un mec qui méritait. Hop, et je dirais même belle patate. Oh ouais, lui méritait, il méritait vraiment. Ils vont faire sauter toute la ligne. Pardon ? Pas si je m'en occupe. Hop, tenez, récupérez votre bombe. Je me suis débarrassé des bombes. Ok. Autour de ces trucs maintenant. Ok. Boum! Ça c'est bon! Récupérez-moi ça! Voilà! Hop ça! C'est direct une patate! Hop ça! Reste à terre! Hop esquive! Toi, t'es un peu trop le fou! Il y en a aussi sur les voies du dessus! Oh non, c'est pas vrai! Vous êtes défenseurs, les frères! Ok! Wouh! C'est bon, attends. Toi, hop, c'est une patate. Toi. C'est bien, personne me tire dessus hein, pendant que j'explose les bombes, ça c'est pour le plaisir. Il me laisse faire mon boulot. Oh là là, ça c'est des combos incroyables. Ça par contre, quand je fais des combos comme ça, j'ai envie de me faire des choses. Je préfère vous le dire. Hop, toi t'es un aller simple pour l'enfer. Ok, toi, tu récupères ça. Il y en a une autre. Oh, ça va, oh, les gars, les gars. Ça marche. Ok. Regardez ce qui va se passer. Yo, les gars. Hop.
Ça, récupérez-moi ça. Let's go. Hop ça, récupérez-moi ça. Et on est bon. Ok. Ce qui est bien, c'est que, en fait, tu, dès le début du jeu, t'es dedans. C'est vraiment... Ça, ça m'avait un petit peu marqué, en vrai, pour le coup, dans Spider-Man Premier du nom, sur PlayStation 4. C'est que dès le début, combat de boss, ils attendent pas. Dès le début, t'es un super-héros. Y a pas de galère, y a pas d'attente, y a pas de tuto interminable. Alors oui, on en prend plein la gueule, ça, on va pas se mytho. Combien de bombes vous aviez, les frères? Hop, ça, c'est pour toi là-haut. Tellement nombreux. Toi, tu me saoules en fait. Donc, bah, tu meurs. Voilà. Toi. Aïe! Oh la vache! Toi, tu restes sur ton pote. Voilà. Toi, sur ton pote aussi. Hop, et toi, finish him. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est très, très beau. Et toi, oh là là. En fait, il y a beaucoup plus dans... En fait, dès le début du jeu, et c'est ça qui est aussi sympa, c'est que malgré que tu joues Miles Morales, un débutant, entre guillemets, t'as pas l'impression d'avoir, tu sais, de tout recommencer. L'arbre de compétences et tutti quanti. Tu récupères vraiment tes pouvoirs de super-héros dès le début. Donc, ils ont plutôt bien géré la transition. Plutôt que de tout refaire, tout réapprendre, là. Le Harlem Express, et ben voilà. Oh, 10 jetons. Faudrait que je m'occupe de ça. Oh là là, 10 jetons. Dis-moi tout. Ici, vous pouvez voir toutes les ressources que vous avez acquises. Utilisez les ressources que vous avez récoltées pour créer, évidemment, un nouveau mode en le sélectionnant et en le maintenant. D'accord, résistance aux dégâts de mêlée, très bien. Attaque après une esquive parfaite inflige 50% de dégâts supplémentaires, ça c'est pas mal. Génère une petite quantité de santé à chaque coup corps à corps sur des ennemis paralysés. Bah je dirais ça quand même. Je dirais ça. Vous venez de débloquer un nouveau mode, revenez plus tard pour en débloquer d'autres et pour équiper un autre mode évidemment. Comment on débloque ceci? Oh. Des skins giga stylés là, je reconnais. Débloqué en nouvelle partie plus. Ok. Ok, très bien. Est-ce que ça va, monsieur Davis? Ouais, grâce à toi. Oh, tiens, un cadeau. Une carte de métro annuelle illimitée. Merci. C'est Miles avec un seul L. Comment t'as... Ok, je dois y aller. Attends, Miles. J'ai eu des soupçons en regardant le journal télé hier. Quand je t'ai vu te battre contre ces prisonniers, tu esquivais dans tous les sens. J'avais l'impression de te revoir jouer au basket avec ton père et moi. Avant, t'étais rapide. Maintenant, t'es une flèche. T'en fais pas. Je dirai rien à ta mère. Promis. Promis. Regarde-toi. Si ton père pouvait te voir... Il serait sûrement Furax. Il serait carrément Furax. Alors, tu vas remplacer l'autre Spider-Man? Non. Je te l'ai dit, il est juste en vacances. Je vois. Et il t'a confié la ville? Ouais. Une grosse responsabilité pour un gosse de ton âge. Ça me fait pas peur. J'espère. Mais écoute, si t'as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Je veux t'aider. Ok? Ça marche. Merci. Et ben voilà, ça c'est pas mal. Ça évite les trucs en mode... ils sont tous cons, tu vois ce que je veux dire? En mode, ah mais personne ne sait qui est derrière le Batman. Alors que, bon, il modifie sa voix, hein, mais t'as compris. Il y a quand même des trucs qu'on reconnaît, la bouche, la mâchoire, hein, etc, etc. Bref, où est ma voiture? Ma voiture a disparu, ok. Et ben on va faire pillard. Pillard, ça a l'air de rapporter de ouf. Théo s'est fait cambrioler apparemment. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Très très bien.
C'est à 78 mètres, on a évidemment des niveaux. Et en plus, il y a un underground pas loin. On va essayer de le prendre vite def. Oh, c'est là, je l'ai. Oh, il est beau. Oh, celui-ci, il est très beau. Celui-ci, il est très très beau, celui-ci. Hop, ça c'est pris. Hein. Ça, c'est pris, mon petit pote. C'est dans la poche. Dans la poche de mon truc très moulant. Bon, alors avant de faire cette petite quête... laissez-moi vous dire que on peut faire des modes de lentilles. Lors d'un scan, les ennemis sont marqués à travers les murs et le reste aussi longtemps que le mode furtif est enclenché. Augmente la fenêtre de l'esquive parfaite. Oh, c'est pas mal. Augmente les chances d'obtenir des munitions de gadgets. D'accord. Mais pour ça, il manque quand même pas mal de choses. On va essayer de le régler avec ce braquage de supérette qui va offrir 10 jetons. Bah alors, mon frérot, Je suis juste là. Hein? Mais non, pas toi, mon chat. Il porte le nom du vrai Spider-Man. Je viens de me faire cambrioler par une bande d'ordures. Et ils m'ont pris mon Spider-Man aussi. C'est horrible. Vous savez vers où ils sont partis? Je les ai entendus dire qu'ils allaient s'en prendre à la sous-station électrique, à côté d'ici. Je vais les retrouver, et votre chat aussi. Ok, petit. Fais ce que tu peux. Allez, on est parti. Évidemment. Bah c'est surtout le chat en fait, genre qui va kidnapper un chat dans une centrale électrique, frérot? C'est qu'une quête secondaire, là on a fait que des quêtes secondaires, hein, ça sert de tuto aussi un petit peu pour expliquer les gadgets et tutti quanti. Eh hey mec, des types ont cambriolé la bodega de Théo et après ils sont allés à la centrale électrique la plus proche. Chelou, je t'écoute, je suis ta retransmission en direct. Ok. Il tire sur les transfo. Ok. Ok, on va essayer de le faire enfouler en fil. T'es vraiment sûr que ça va couper tout le quartier? Ouais, quasiment sûr. C'est quoi ça? Ah. Encore un gros coup et je me tire. J'ai halluciné. Hein? Appelez le patron. Oh non, c'est pas vrai. À chaque fois que j'oublie qu'il faut viser, c'est terrible, c'est ma faute. Putain, l'homme qui gâche le plus les phases d'infiltration, on aurait tellement pu s'amuser. Hop, allez, toi tu dégages. Hop, toi, c'est direct dans la bouche. Voilà, petite esquive. On va se soigner, c'est pas bien grave. En fait, les soins utilisent ma bioélectricité si jamais. Je viens de m'en rendre compte. Vous en tenir au crime classique comme... Hop, ça, on lui arrache la gueule. Voilà. Et ils sont un petit peu claqués, hein, ces dégâts. C'est du bas de gamme. C'est des méchants bas de gamme. Voilà, ils sont pas fous, ils sont pas fous. Et ben voilà. Le débit de cette station est tombé à 64%. Et t'inquiète, je m'en occupe. Bien vu pour les systèmes de secours. T'es vraiment un truc de héros. Non. Je suis juste un spectateur. Faut que je retrouve le chat de Théo. Spider-Man! Attends! Attends! Spider-Man est dans la cage d'ascenseur. Ah! Forcément! Je viens de chercher Spider-Man. Tiens bon. Oh, c'est pas mal ça! C'est pas mal! Voilà! Je suis speeder à l'envers, mais Spider-Man, attends! Oh non, abuse pas, frérot! Je vais pas mettre une demi-heure pour courir après un chat! Je crois savoir ce que veulent ces types. Il y a une banque dans cette rue. Pas de courant, donc pas de sécurité. On va essayer de pas chier. Donc, si je peux me permettre. Si on rétablit le courant, on empêche un braquage? Empêcher les crimes avant qu'ils soient commis. Dans un monde où deux héros peuvent voir l'avenir, eux seuls peuvent faire régner la justice. Bon, allez, faut que je me concentre. Gare aux araignées, mon pote. On va tous les pendre. On va s'installer ici pour être mieux. Regarde dehors, Harlem est dans un sale état. Le patron sait reconnaître les bonnes opportunités. C'est quoi?
Voilà. Ouh, il a pris. Alors lui, par contre, il a pris ses dents, hein, si je puis me permettre. Lui, il faut qu'il se tourne. Normalement, on est bon. Eh les gars, ça va être incroyable, regardez, ça va être une ruche là-dedans. On va voir tous les pendus, ça va être très très drôle ça. J'adore l'humour. Regardez. T'as juste à lever la tête. Ça fait même flipper limite, frérot. Hop. Oh, ah bah ce coup fait mal, ce coup fait très très mal, vraiment. De la sieste. Ok. Hop. Tu tiens personne, frérot. Hein. C'est terminé pour vous tous. Et ben voilà! On dirait que quelqu'un les paye. Tu crois que c'est... Qu'est-ce que... Plus de courant du tout. Je m'en occupe. Activation de l'éclairage de secours. C'est bon. Tu peux rétablir le courant en chargeant les autres systèmes de secours. Ça marche. Ah, tu dis beaucoup de choses, toi, hein. Tu crois que... Putain, les gars, un coup, je gère le métro de la ville, après je gère... Non, c'est pas vrai. Combien de personnes pour braquer une centrale électrique? Eh ouais, c'est un truc de ouf. C'est toi qui as lancé le circuit de secours? On croyait que c'était toi? Non. C'est un ouvrier de la station. Ok. C'est l'heure de la pause. Hop. On enchaîne tout le monde, hein. On se régale, hein. On se régale! Pour être sûr que c'est bien fait. Je voudrais pas qu'ils croient qu'on a bâclé le boulot. Non. Bien vu. Hop. C'est bon, tu parles plus à ton pote, mon frérot. Oh, désolé. J'aurais dû faire médecine. Quand on aura touché notre part, tu pourras te payer 9 écoles de médecine. Ça, c'est terminé. Ben voilà, on les arrache assez facilement. Je repense à toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre. Ouais. Allez, parle tout seul, frérot. Hein. L'autre, il se dit pas. Attends, il était en train de me dire quelque chose quand même, ça avait l'air intéressant. Ah, ce coup, ah, ce coup. Ah, mais non, mais j'imagine les dents percuter le bordel, en fait. Faut que je trouve les systèmes de secours. Ça fait mal, ça fait mal. Je vous le dis, les amis, ça fait mal. Et ben voilà. Ok, je dois avancer. Trouver le générateur principal et le réparer. Oh non, c'est pas vrai. Ça ne s'arrête jamais. Ils n'arrêtent pas de parler de leur patron. T'as une idée de qui c'est? Il y a un paquet de monde qui veut braquer des banques. Bon, j'aurais essayé. Voilà le coupe-circuit. Je vire ces types et je vois si je peux le réparer. Il faisait pas aussi froid l'hiver dernier. Faites gaffe! Quelqu'un essaye de saboter notre travail! Ouais, Titan, le patron a beaucoup trop d'ennemis. Ouais, bon. Mais il les écrase à chaque fois. Non, pas tous. Spider-Man, par exemple. Celui qui a organisé ce braquage connaît bien Spider-Man. Mais pas dans le bon sens. C'est forcément l'autre. J'ai pas tant d'ennemis que ça. Pour l'instant. T'es tellement optimiste. Tu crois pas que c'est Spider-Man qui essaye de saboter notre boulot? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ok, rejoins ton pote, tu pourras lui parler. On a un boulot et on va le finir. J'ai une sacrée envie de... Allez, dégage. Tu pisseras là-haut. C'est pas toujours aussi facile. J'ai besoin de vue en plus ici. J'ai besoin d'éviter. Ferme-la. Et toi? Voilà. Allez, c'est terminado. Eh ben, et mine de rien, il y a eu pas mal de phases d'infiltration. Ça, c'était cool, par contre. J'aime beaucoup les phases d'infiltration. Voilà, je tenais à vous le dire. Je tenais à vous partager un petit peu mon ressenti. Et mon ressenti est très très bon sur les phases d'infiltration. Mince, le tableau est pas alimenté. J'ai besoin d'un générateur. C'était un classique, les gars.
connecter le générateur. C'était un classique, hein, ça paraissait beaucoup trop simple. Voilà. Générateur allumé. Je crois pas qu'il soit branché. C'est bon, j'arrive. Ah non, d'accord les salauds. D'accord. Ça par contre c'est stylé pouvoir relier maintenant. Ça c'est stylé ça. Pouvoir créer des nouveaux liens, ça c'est pas mal. Et là je suppose qu'on va pouvoir appuyer dessus. Faut actionner la lumière. Oh, c'est pas vrai. Ah! Spider-Man? Hein? Quoi? Tu l'auras pas! Tu sais pas qu'il faut laisser les animaux s'habituer à leur environnement? Alors, hop! Hop, toi! Hop! Hop, là, ça s'arrache! Rendez-moi le chat, il se laisse partir! Ok? Ok. Ok. Ça, ça dégage. Un aller simple pour l'enfer. Fais tes prières. Toi, ça dégage. Non, pour moi, c'est toi qui vas faire tes prières, mon frérot. C'est qui le super-héros là-dedans? Wow! Chaud. Cette fois, je te tiens. Oh la vache, ce que je prends! Oh, c'est tellement chaud! Je le savais! Les fantômes, ça existe! Toi, tu dégages! Toi, tu prends ta part, il est mort! Et toi, c'est terminé, mon bro! Pourquoi ils voulaient le chat, tous, les gars? Oh, calmez-vous! Ça va, mon frérot? On y va, Spider-Man. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure sur ce Spider-Man avec l'épisode 4. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. On se rappelle.